insiste pas. Je t'ai dit que t'as pas les capacités, bordel de merde. Allez, dégage. Salut ce mec. Salut la crevette. Tu veux devenir coach aussi? Hein? Ah non, c'est pour ça que... Non, non, moi ça va, merci. Eh mais non, je déconne, je sais bien que tu veux pas devenir coach. Allez, va t'entraîner. Allez. La crevette coach, on aura tout vu. Allez, suivant. Moi, ce qu'il me faut, c'est des mecs costauds, des mecs balèzes. Tu sais, c'est pas tout repos de bosser ici, hein. C'est pas facile, hein. Moi, par exemple, je m'entraîne 4 fois par semaine, hein, quand même. Et toi? Moi, pas tant. Ah ouais? Ouais, c'est bien. Bon, merci d'avoir tenté ta chance, hein. Quoi non? J'ai entendu, Mamadou, hein. Ça va, Jean-Phi? Eh oh! Tu viens ici pour faire du sport ou bien? Si tu veux faire des photos, faut faire photographie, hein, pas muscu. Allez hop, confisqué. Suivant. Je te reconnais, toi. Salut, bande de petits glandeurs. T'es le mec qui fait des vidéos. Ouais, c'est moi, ouais. Ouais, des vidéos de merde. Ah bah non, non, non. Ah bah si. Ah non, 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 c'est pas moi, ça. Ah bah si, excuse-moi de te dire que ce que tu fais, c'est de la merde. Bon, qu'est-ce que tu fous ici? J'ai rien pour toi, moi. C'est pas possible, j'ai un CV exceptionnel. Exceptionnel. Ah si, si, si. Ah. Si, si. Ouais. J'ai peut-être un petit boulot pour toi. Ouais. C'est normal, vu les compétences. Voilà. Alors, tu vas déjà commencer par faire les chiottes, hein, parce qu'ils sont dans un sale état. Il y a un gars qui a dû bouffer chinois, indien, un truc comme ça. Puis après, tu feras les vestiaires, ok? Ah ouais, mais je pourrais te faire coach après. Fais déjà coach sanitaire, on verra. Allez, au boulot! Pas bien lui. Ouais, faut gueuler plus fort. Quoi? Faut gueuler plus fort. Tu veux dire que c'est lui le patron? Ça lui a fait faire bosser bien la nuit, non? Alors lui, c'est Gaston. C'est simple. Hein. Si jamais t'as besoin de bosser un muscle qui n'existe pas, tu vas lui demander. C'est le chef pour ça. Et sinon, tu viens samedi? Samedi, y'a quoi? Outdoor training, entraînement d'extérieur. Si tu veux choper de la zou, c'est là qu'il faut que t'ailles. Ah ouais, samedi tu m'as dit? Absolument. N'oublie pas de t'inscrire à l'accueil. Allez, salut. Salut, ouais. Voilà, Jean-Phi. Ça va? 42 km. 1h12. Ah ouais, pas mal, hein. T'as raison, n'oublie pas de boire. Attends, bouge pas, je vais t'aider. Oh là, non merci, ça va aller. Non, ça va pas aller, regarde, t'es épais comme un coton-tige, garçon. Non. Faut quelqu'un derrière toi. Non, mais ça va aller, vraiment, merci. Oh, comme tu voudras, hein. Moi c'est pour ton bien. Oui, bah je vais très bien avec personne derrière, en fait, donc merci. Ouais, tu préfères que je me mette devant? Mais non, mais surtout pas. Putain, mais barre-toi, mais il est malade ce mec, barre-toi. Va bien, lui, putain. Eh ben il est bon, lui. Une vraie petite fée du logis. Allez, frotte du con. Excusez-moi. Oui. Hé, hey, la comète, tu veux toujours faire coach? Non, c'est parce que j'ai vu que vous faisiez une séance de outdoor training samedi prochain. Oui, outdoor training, good English, little crevette. Du coup, c'est possible de s'inscrire ou pas? Possible or not possible, that is the question. And the response is possible. T'as de la chance, hein, il reste une place, la crevette. Ok, cool, bah je la prends alors.